à tous, je suis super heureux de vous retrouver pour ce second épisode autour du projet Symbiose. Et pour immortaliser tout ça, je suis venu équipé. Le futur est de retour. Aujourd'hui, on va s'intéresser au premier pilier évoqué la dernière fois par Vincent Bedouin, président directeur général de la Croix. Je veux parler bien sûr de l'innovation industrielle. Avec sa stratégie Smart Industry, l'activité Electronics de la Croix accompagne toujours plus ses clients dans la digitalisation et l'automatisation des process industriels. Et ça commence par le commencement, à savoir au magasin avec Stéphane qui va nous expliquer tout ça. Bonjour Stéphane. Bonjour Jérémy. Alors, il me semble qu'on se trouve là devant le futur magasin d'une superficie impressionnante. Hein. On m'a parlé de 3000 m2, de 12 mètres de haut. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la technologie qui va être mise en place ici pour gérer l'automatisation? On souhaitait en fait aborder une vraie rupture dans notre façon de travailler et donc on est parti sur la solution Exotech. Ok, c'est quoi Exotech? Ah, écoute, Exotech, c'est un magasin automatique. On aura une structure où il y aura un certain nombre de bacs qui permettront de stocker tous les petits composants. Et tout de suite, la vidéo chez vous. Alors, la capacité, en fait, va être de 6720 bacs au départ. Tout ça géré par des robots? Tout ça géré par des robots avec des stations. Et donc, les robots amèneront les bacs à la station pour que les opérateurs puissent récupérer le matériel. C'est quoi les avantages concrets pour les clients? Mis à part ce qu'on vient de dire, donc là, le gain de surface, en fait, il y aura aussi un gain de flexibilité, puisqu'on aura une continuité en fait, avec les robots dans la mise à disposition des conditionnements pour servir les composants. Ah ouais. En plus, c'est une solution qui est modulable, puisqu'on peut, si on veut, à la demande, rajouter des stations et des robots. Et donc, le second avantage, c'est la productivité. Les robots vont prendre en charge toutes les manutentions et tous les déplacements. Et de ce fait, les magasiniers vont pouvoir se concentrer sur leur vraie valeur ajoutée. Robots, humains, copains pour la vie. Merci Stéphane pour tous ces éclairages. Est-ce que tu peux me permettre, c'est pour ma collection? Oui, vas-y, je t'en prie. Attention, c'est parti. Oh, salut. Hey, dis-moi, tu saurais pas où je peux trouver Christelle Ménard, The Customer Planner référente? Ben quoi? Ici on parle à des robots. Salut! Merci hein! À bientôt! Ciao! Eh, il est vraiment super sympa le petit. Il m'a amené ici en 2 heures. Ah, 2 secondes! Ah ouais, il est super sympa, il est toujours prêt à rendre service. Oui, parce qu'on a passé du temps ensemble avec Timon. Et puis il m'a présenté ses potes, le robot Marsupilami. Et le Kobo, Weibo. Eh, dis donc, on m'a dit que toi aussi, tu travaillais sur la digitalisation avec des outils collaboratifs comme des robots ou des Kobos. C'est vrai? Ouais. Alors? On travaille actuellement sur un outil qui s'appelle IBP. Donc c'est un outil de planification et de simulation. C'est un outil qui est connecté à tous nos outils de production. Okay. Et c'est aussi un outil qui est connecté à des interfaces qui permettent d'aller scruter la disponibilité des composants sur les marchés. Ça représente quoi comme avantage pour les clients? Alors pour les clients, ça nous permet de fiabiliser notre réponse, ça nous permet qu'elle soit plus rapide. D'accord. Et ça permet aussi de stabiliser notre plan de production et notre plan commercial. D'accord, ouais, c'est complet. En fait, vous êtes hyper organisé. Et moi, ça me parle tout ça. Parce que moi aussi, je suis quelqu'un de très organisé finalement. D'ailleurs, mon téléphone va sonner dans 7 secondes. Tiens. Ah! Christophe. Oui, Christophe? À bientôt. Oui! Écoute, tu tombes à pic. Attends, Christophe, je te passe en visio. Salut, Christophe! Oui, salut. Salut, Jérémy. Alors, toi, t'es directeur conseil et projet pour Schneider. Et toi et ton équipe, vous avez accompagné la Croix sur le Lean, autrement dit sur l'amélioration continue du process industriel. Tu peux nous raconter comment ça s'est déroulé? L'objectif de l'équipe Symbiose, c'est de construire un nouveau site qui soit une
référence, une référence en termes de performance, de compétitivité. Et donc, pour construire ça, on s'est appuyé déjà sur l'observation de l'existant. Puis on s'est dit qu'est-ce qui fonctionne moins et comment on peut le transformer pour vraiment, vraiment bâtir l'usine idéale. Concrètement, c'est quoi les bénéfices pour la nouvelle usine? On va pouvoir produire le double avec seulement 35% de surface en plus par rapport au site actuel. Donc on va pouvoir doubler le chiffre d'affaires avec le même nombre de personnes. Et le but, c'est que les équipes puissent s'approprier cette méthode en fait. Oui, oui, c'est ça, parce que quand on parle de méthodologie, on parle de lead management, on parle de la transformation digitale, mais non, pour que ça fonctionne, il faut vraiment qu'on implique les hommes. Cette transformation culturelle, ben, on ne va pas attendre la nouvelle usine pour l'opérer. On a décidé avec l'équipe Symbiode, c'est de la commencer dès maintenant. Merci beaucoup Christophe. Ben, merci, c'était très sympa et au plaisir de te rencontrer prochainement. Au revoir, à bientôt. Allez, back to the chantier. Aujourd'hui encore, les rencontres ont été denses et palpitantes. Avec des promesses exponentielles de croissance dans l'univers de l'IoT, les clients de Lacroix recherchent des partenaires rapides, flexibles, fiables, innovants, compétitifs pour faire naître leurs projets dans des meilleures conditions. En réponse, l'activité Electronics de Lacroix propose, construit avec l'ensemble de son écosystème, l'industrie électronique du futur. Je vous avais pas menti, le futur est déjà là! Dans le prochain épisode, on parlera innovation sociale, parce que vous verrez, ça va de pair avec innovation industrielle. Ah!